Il y en a encore pour longtemps? Hey! Oui, qui est là? Je ne reçois personne ici. Je n'ai invité personne. Je déteste que l'on vienne à l'improviste chez moi. Je suis encore libre de recevoir qui je veux. Il faut téléphoner avant. Il faut prendre rendez-vous. Ce n'est pas normal. Je n'ai aucun compte à rendre à qui que ce soit. Je mène la vie que je veux. Si cela ne vous plaît pas, disparaissez immédiatement de ma vue. Et maintenant, dehors. J'ai dit dehors! Oh. Oh. Venez au 12 Lechinstrasse, au 4e étage. Faites vite. Philippe Maynard a été assassiné. Au 12 Lechinstrasse. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Bonjour, Toubib. Premier diagnostic. Bonjour, Siska. Les membres sont encore mobiles, le corps est chaud. Ça ne fait pas une heure. Philippe Maynard, c'est son appartement. Deux impacts dans la poitrine et un dans l'abdomen. C'est sa résidence secondaire. En fait, il habite Bogenhausen. C'est bon. On va faire un tour? Oui. Son dernier verre, du bourbon, et sa dernière lecture. Quelque chose d'intéressant? Pour l'instant, non. Carnet d'adresse, facture, compte rendu d'un procès. Il y avait quelqu'un à l'étage avec les pieds mouillés. Le meurtrier? Possible. Et là, dans la douche, la mousse n'est pas encore rincée. Et la serviette était encore humide avec des traces de rouge à lèvres et de fard à paupières. C'est une femme? Peut-être, mais aucune trace des produits qu'une femme utilise pour la douche. Ni crème, ni eau de toilette. Il n'y a absolument rien. Le lit n'était pas défait. Il y était couché tout seul? Allez savoir. Charmant, ce petit appartement. Mais le bâtiment blanc là-bas, c'est l'usine de la victime. Matériel optique Meinhardt. Nous avons la victime d'un meurtre et une femme avec les pieds mouillés. Mais elle était probablement au lit avec la victime. À suite de quoi, elle est allée se doucher. Et juste après sa douche, elle aurait abattu l'homme avec lequel elle venait de coucher. Ça m'étonnerait. Elle est sortie de la douche avec les pieds mouillés. Pourquoi? A sans doute entendu les coups de feu. Ou une discussion qui aurait mal tourné. Je comprends pas qu'elle n'ait pas averti la police. L'appel d'urgence a été donné d'un autre endroit. La famille a-t-elle été prévenue? Mais. Bonjour. Bonne journée. Mademoiselle Maynard. Oui. Vous pourriez rentrer chez vous tout de suite. Qu'il demande? Votre mère.
Vous voulez monter? Non, merci, je vais me débrouiller seule. Comme vous voulez. Depuis quand votre mari possède-t-il cet appartement? Oh, ça va faire 3 ans environ. Oui, il avait besoin d'avoir un endroit bien à lui pour réfléchir et travailler tranquille. Et qui avait la clé de cet endroit? Oh, lui, bien sûr. Le double est accroché dans l'entrée. Est-ce qu'il y a encore? Oh, je suppose que oui. Oh, oui, excusez-moi. Voulez-vous vous asseoir? Puis-je vous offrir quelque chose? Non, non, merci. Mais j'aurai encore quelques questions à vous poser. Je vous en prie. Oui, votre mari, il recevait régulièrement des visites dans cet appartement? Oh, je pense que oui, ses collaborateurs et des relations d'affaires. Vous est-il arrivé de vous y rendre? Non, il ne voulait pas. Avait-il des ennemis? Des concurrents, des envieux, comme il peut y en avoir partout. À quoi rime cette mise en scène? Ma fille, Jeannette. Pourquoi m'as-tu fait envoyer la police? Monsieur Hanneux est de la criminelle. Bonjour. Bonjour. Que se passe-t-il? Ton père est mort. Quoi? Il a été tué dans son appartement de la Lessingstrasse. Quoi? Qui et pourquoi? Nous ne le savons pas. Enfin, du moins, pas encore. Oh, c'est pas possible. Puis-je vous demander quand vous avez vu votre père pour la dernière fois? Ce matin... Nous avons pris notre petit déjeuner ensemble. Ici, dans la maison? Oui, dans le jardin d'hiver. Bien, je vais vous laisser seule maintenant. Voici ma carte. On se recontactera. Je vous raccompagne. Au revoir. Au revoir. Ça te va bien de jouer les veuves et pleurer? C'est une vieille coutume d'allumer un cierge pour les défunts. À condition que ce défunt représente quelque chose. Il représentait quelque chose pour toi? Tu le haïssais. Tu ne lui as pas rendu la vie facile. Tu n'as pas le droit de porter le deuil. Comment ça, je n'ai pas le droit? Tu ne vois donc pas ce qu'il a fait de toi? Une créature prétentieuse et gâtée. Sans aucun scrupule. Il m'a aimé. C'était un père fantastique. Et toi? Est-ce que tu t'es regardé? Tu n'es qu'une femme aigrie et méchante qui refuse de vieillir. Là, tu as tout à fait raison. C'est exactement ce que ton père a fait de moi. J'en suis parfaitement consciente. Oui, ils ont intenté un procès à l'entreprise d'optique Meinhardt. Et pour une histoire de brevet, c'est exact. Non, 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 j'ai toute la correspondance devant moi. Écoutez, j'ai une proposition à vous faire. Je vais vous envoyer un de mes hommes. Oui, l'inspecteur Anne. Merci. Vous avez prévu autre chose? Oh, ça fait longtemps que je ne fais plus de projet. Vous feriez bien d'écouter ça. Il s'agit de l'appel à police secours. Je crois que c'est assez intéressant. Police secours, bonjour. Venez au 12 Lessingstrasse, 4e étage. Faites vite. Philippe Maynard a été assassiné. Au 12 Lessingstrasse. Quel est votre nom, s'il vous plaît? L'appel est parti d'un téléphone du métro Rosenheimer Platz. Une communication locale qui part de l'entresol. Le correspondant avait un accent prononcé de l'Est, si je ne m'abuse. Mais je pense à du russe, à cause de la musique russe qu'on entend en fond. Thank you.
Excusez-moi. Nous n'avons pas encore terminé. Est-ce que vous interprétez les chansons russes? Comme Kalinka, Les yeux noirs. Non, nous ne jouons que du classique. Pourriez-vous faire une petite pause, police criminelle? Mais nous avons une autorisation en règle. Vas-y, montre-leur. Ce ne sera pas nécessaire. Y a-t-il d'autres groupes qui jouent ici? Oui, s'ils ont une autorisation. Oui, par exemple des chanteurs de chansons folkloriques. Vous voulez parler des cadres de Saint-Pétersbourg, des étudiants en musique? Où on peut les trouver? Ils sont retournés en Russie. Et où ça? La Russie est grande? Aucune idée. Ils vont peut-être revenir quand ils auront besoin d'argent. Bon, d'accord. Il va falloir se contenter de musique classique en attendant. Ça, c'est la boîte à pourboire. Bien. Je vous souhaite de faire de bonnes affaires. Au revoir. Au revoir. Merci. Un saltimbanque russe qui nous informe d'un meurtre. Ça ne signifie pas qu'il soit impliqué dans ce meurtre. Sans doute, mais il a peut-être vu quelque chose. La scène du crime se trouve à peine à 5 minutes du carrefour. À moins que quelqu'un lui ait demandé de signaler ce meurtre. Oui, notre belle inconnue qui avait les pieds mouillés. Par exemple. Madame, Monsieur Werner est là. Ah, j'arrive. Excusez-moi de vous déranger. Monsieur Werner, vous ne me dérangez jamais, vous le savez. Je viens juste d'apprendre la nouvelle. Je voulais vous présenter mes condoléances. Merci beaucoup. Marlies, vous allez bien trouver un bien approprié. Allons nous asseoir. Comment Jeannette a-t-elle pris la nouvelle? Je vous en prie. Oh, inutile de vous dire qu'il était tout pour elle. Vous avez dû vous en apercevoir. Le grand magicien. Dès qu'il apparaissait, plus personne n'existait. Est-ce que la police a un suspect? Je ne sais pas. Je pense que je suis la dernière personne à l'avoir vu en vie. Vous êtes allé le voir? Oui. Je lui ai apporté le livre. Il est sorti hier de l'imprimerie. Est-ce qu'il était satisfait? Il m'a dit qu'il me donnerait son avis une fois qu'il l'aurait lu. Je pense que vous aimeriez peut-être parler à Jeannette. Elle est dans sa chambre. Je voulais vous remercier. Sans votre aide et celle de Jeannette, jamais ce livre n'aurait pu être publié. Oh, mais ça a été un plaisir. Savez-vous ce que je pense? Il a eu dans sa vie tout ce qu'un être pouvait espérer avoir. Il avait du succès. Il a été aimé, admiré. Et il a été capable de faire le bonheur de son entourage. Mais apparemment, ça ne plaisait pas à tout le monde. Avez-vous une idée sur l'identité de la personne qui l'a tué? Et vous? Je me suis contenté de travailler pour lui. Je ne le connaissais pas assez. Et je ne me comportais pas exactement comme il le désirait. Il avait de l'estime pour vous. Il m'a fait venir chez lui comme un petit garçon. Il m'a menacé de se venger si je continuais à importuner sa fille. Vous n'auriez jamais dû l'écouter. C'était un homme impressionnant. Et est-ce que j'aurais eu la moindre chance? Avez-vous des informations à propos de ce contentieux de patente? Ils ont conclu un accord à l'amiable. C'est une affaire réglée. Et les factures? Oh, des notes de restaurant, des fiches de taxi et une facture d'une boutique de mode de plus de 540 euros pour madame son épouse ou pour sa fille. Ou pour la dame aux pieds mouillés. Avec ça, on va peut-être progresser.
Vous vous souvenez de sa dernière lecture? Ce livre se trouvait à côté de son verre de Bourbon. Oui. Quatre générations de l'entreprise d'optique Meinhardt, une chronique familiale. Il y avait un signet entre les pages 20 et 21. Cette feuille de papier avec un numéro de téléphone inscrit dessus. 90, 98, 72. Mm-hmm. Le numéro est celui d'une cacaillerie de Giesink. Sous l'adresse figure un nom, Vonny. Ça évoque quelque chose pour vous? Eh bien, moi ça m'inspire quelque chose d'exquis. Bien. Alors, le mieux c'est d'aller voir. Oui. Allons-y de ce pas. Non, s'il vous plaît. C'est fermé, la boutique sera ouverte à 15h. Ouvrez cette porte immédiatement. Qu'est-ce que vous voulez? Veuillez ouvrir cette porte. Nous voulons juste nous entretenir avec vous, c'est tout. Entrez. Merci. Merci. De quoi s'agit-il? Avez-vous le numéro de téléphone 90 98 72? En effet. Connaissez-vous une femme du nom de Vonny? Pourquoi? Nous aimerions lui parler. Si vous voulez parler de ma femme, elle s'appelle Yvonne. Vonny, c'est un petit nom que je lui ai donné. Pourrait-on lui parler? À condition de me dire pourquoi. Si vous jurez de ne pas le répéter, c'est à propos d'un meurtre. C'est par là qu'on va à votre appartement? Oui. Yvonne, tu peux venir, s'il te plaît? La police est là. Elle est allée s'allonger, elle passe toute la journée dans la boutique. Vous n'appelez pas votre femme, Vonny? Non. Tu viens? Je croyais que votre femme avait passé toute la journée dans la boutique. Oui, mais pas de 13h à 15h parce que la boutique est fermée. L'après-midi, je lui donne un coup de main parce que j'ai un autre job. La boutique ne rapporte pas suffisamment? Oui, monsieur le commissaire, les temps sont durs. Que se passe-t-il? Eh bien, ces messieurs de la police voudraient s'entretenir avec toi. Bonjour, Siska, mon collègue Vigrant. Bonjour. Connaissez-vous cet homme? Pas que je me souvienne. D'accord. Peut-être la mémoire va vous revenir. Mais c'est censé être qui? Il s'appelle Philippe Meinhardt. Lui avez-vous donné votre numéro de téléphone? Ah, pourquoi voudriez-vous que ma femme lui ait... Restez en dehors de ça, s'il vous plaît. D'accord? Vous êtes déjà allé chez lui? Je ne connais pas du tout ce type. L'appartement se trouve au 12 Lessingstrasse. Alors, vous y êtes allé? Non, jamais de la vie. Philippe Meinhardt a été assassiné dans son appartement vers 14h. Exactement au moment de la fermeture de votre magasin. Il serait préférable que tu ne répondes plus à leurs questions. Nous pensons qu'il existe un témoin, une femme, qui se trouvait dans l'appartement au moment du meurtre. Tout d'abord dans la chambre à coucher, ensuite dans la mezzanine, où elle était aux premières loges pour observer le meurtre. Vous avez quelque chose à ajouter? Je n'ai rien à dire. Je ne connais pas du tout cet homme et je n'étais pas dans cet appartement. Bon, nous aurons l'occasion d'en reparler plus tard. Merci encore d'avoir bien voulu nous recevoir. Au revoir. À la prochaine fois. Au revoir. Reste ici. Tu connaissais cet homme et tu as eu une aventure avec lui? Si tu le penses. Pourquoi? Tout simplement parce que j'en ai marre de toi, de cette boutique, de tout. Mais c'est notre vie. La tienne peut-être. La mienne plus depuis longtemps. Ça fait combien de temps que ça dure? Meinhardt pouvait s'offrir la femme qu'il voulait. Pourquoi s'en est-il choisi une comme ça? C'est peut-être une bonne affaire au lit. C'est votre flair qui vous fait dire ça? Pas le vôtre.
Le mien m'a souvent déçu. Ça va s'arranger, ne désespérez pas. Ah oui. Après tout, peut-être qu'elle ne le connaît pas et qu'elle n'a jamais été chez lui. Je vous en prie, Vigante, comment expliquez-vous que son petit nom et son numéro de téléphone soient inscrits sur la feuille? Bonjour. Bonjour. Vous êtes attendu. Mais c'est merveilleux, merci. Merci. Merci, Maris. Je vous en prie. Et du sucre? Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie, servez-vous. Merci. Nous avons parcouru ce livre sur votre chronique familiale. Ah oui. Il y a 100 ans, un pauvre franconien a fondé son entreprise de verre taillé à Idahausen. Son fils était le fournisseur attitré de la marine impériale en matière de jumelles. Et c'est lui qui a fabriqué le télescope destiné à l'observatoire de Richmond. Et votre mari? Oh, lui, il n'a rien eu à faire, il avait tout. L'argent, l'influence. Et des femmes. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Votre mari recevait-il des femmes dans son appartement? C'est pour cette raison qu'il a pris cet appartement. Oui, il avait son monde à lui, bien sûr. C'était un sujet complètement tabou. Votre fille était-elle au courant? Pour ma fille, son père était un véritable saint. C'était lui qui avait instauré toutes les règles. Connaissez-vous une femme du nom d'Yvonne, surnommée Vonny? Une de ses maîtresses? Peut-être un témoin. Non, je ne la connais pas. Je voulais juste vous dire au revoir. Ah, monsieur Werner, ces messieurs sont de la police criminelle. Bonjour. 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 Et c'est monsieur Werner qui a écrit la chronique de l'entreprise. C'est un ouvrage très intéressant. Comment en avez-vous eu l'idée? J'ai été autorisé à consulter les archives familiales. Revenez bientôt. Au revoir. Au revoir. Oh, monsieur Werner. Vous pourriez peut-être dire à ces messieurs que vous avez vu mon mari juste avant sa mort. Oui, je devais lui rapporter le livre. Quand cela? J'ai dû sortir du métro aux environs de 13 heures. À Rosenheimer Platz? Oui. Avez-vous remarqué un groupe de musiciens russes? Je ne sais pas si c'était des Russes, mais des musiciens, oui. Pourriez-vous nous laisser votre adresse? Je peux vous la donner. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Monsieur Werner est un homme très précieux. Grâce à son travail, nous nous sommes beaucoup rapprochés. Qu'y a-t-il? Tu es magnifique. Tu trouves? Je l'ai toujours su. Quoi? Je... Il m'est arrivé de passer à la pause de midi. Tu n'étais pas là. Il t'arrivait même parfois de fermer la boutique une heure plus tôt. Parce que ce n'est pas rentable. Il n'y a pas un chat. Je pensais que ça finirait par te passer. C'est pour ça que je n'ai rien dit. Peut-être que tu aurais dû dire quelque chose. Yvonne. Maintenant qu'il est mort, on pourrait essayer. Quoi? De se réconcilier, tous les deux. On ne raccommode pas les vieilles chaussettes. Ça ne nous mènerait nulle part. Mon Dieu, dire que mes parents se sont tués pour ce magasin, ils sont disputés parfois, c'est vrai, mais... Je ne veux pas de dispute, je veux m'en aller. J'espère que tu n'es pas sérieuse en disant ça. C'est terminé. Je suis désolée.
bonjour. On vous dérange? Non, je viens juste de me lever. Merci. Oh, vous aimez Karl Marx? Non, non, je ne l'aime pas du tout, mais j'écris sur lui. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous pouvez poser les journaux par terre. Et Philipp Meinhardt, vous l'aimiez? Je l'ai admiré au début. Et à la fin? Je suis tombé en disgrâce, il ne me supportait plus. Ça vous dérange si je mange? Non, pas du tout. Non, non, bon appétit. Ah, c'est une super idée, ça. Qui vous a demandé d'écrire cet ouvrage, Philipp Meinhardt? Oui, il avait lu un de mes articles dans un magazine. Ça lui a plu. Ensuite, il m'a rappelé. Vous avez eu du plaisir à faire ce travail? Ça a été rentable. Vous pouvez me passer le sel? Mais bien sûr. Et une fois le livre terminé, vous lui avez apporté chez lui sur Lessingstrasse? Oui, comme convenu. Comment l'avez-vous trouvé? Enfin, je veux dire, dans quel état? De bonne humeur, serein. Il était loin de se douter que sa dernière heure était proche. Vous êtes resté combien de temps? Un quart d'heure à peine. Il attendait de la visite. Féminine? Je suppose. Il a téléphoné en lui disant de mettre quelque chose de joli. Vous venez de nous dire que vous étiez tombé en disgrâce auprès de Meinhardt. Est-ce que le livre ne lui plaisait pas? Il n'a pas du tout apprécié que j'invite sa fille à dîner. Après le repas, elle est venue chez moi. Nous avons bu un verre de vin. Et elle s'est empressée de lui dire. Il m'a demandé des explications. Comme un vulgaire laquais. Aïe. Ça vous a frappé, on dirait? C'était un véritable monstre d'égoïsme. Rien ne l'arrêtait. Vous êtes sans indulgence? Je sais ce que je dis. Avez-vous quelque chose à ajouter? Non. En plus, ça m'arrangerait que vous partiez. J'ai mal à la tête. Vous nous mettez à la porte? En quelque sorte. Nous apprécions votre franchise. Au revoir. Au revoir. Bonne journée quand même. Vous voyez, lui non plus ne s'est jamais rasé. Meinhardt a dû toucher au vif. J'en mettrai ma main à couper. Il lui interdit de toucher à sa petite fille unique et préférée. Tout à l'heure, quand le couteau lui a échappé des mains, il lui aurait bien planté dans le dos. En vérité, à défaut de couteau, c'est un pistolet qu'il a utilisé. Que j'étais en train de penser à l'instant. Vous voyez. Mais si c'était vraiment lui, il n'aurait pas été jusqu'à nous dire qu'il était allé le jour du meurtre chez Philipp Meinhardt. Au contraire, c'est une mesure de prudence au cas où l'on retrouverait ses empreintes. C'est la preuve qu'il est plus raffiné qu'on ne le croit. Oui? Anne, tu ne devineras jamais. Vas-y, je t'écoute. Kalinka, Kalinka. Ah, les Russes? Eh oui, une patrouille les a repérés tout à l'heure devant le centre commercial de Perlach. Qu'en dis-tu? Ils sont avec moi, ils ont l'air très gentils. Allez, dépêchez-vous. Très bien, à tout de suite. Nous devrions aborder le problème de la consommation de boissons. Pas boissons, c'est un manque à gagner pour nous. Savez-vous combien nous gagnons durant cette heure? Vous allez me le dire. Alors vous aussi commencez à jouer? La concurrence est grande. Iskabuna. Bonjour. Bonjour. Notre chef, M. Sistia, mon collègue Vigant. Andrei Lushenko, Marina, Leo Zanapkin et votre serviteur, Vladimir Sorin. Vous étiez reparti en Russie? À Yekaterinbourg pour le mariage de sa sœur. Nous avons joué de la musique. Belle fête. Eh bien, nous aussi, nous aurions aimé y assister. La prochaine fois, peut-être. Il a trois sœurs. Trois sœurs, c'est génial. Que demande le peuple? Vous avez devant vous trois cœurs à prendre. Enfin, merci pour l'invitation. Anne, l'enregistrement. C'est prêt. Maintenant, écoutez bien. Police secours, bonjour. Venez au 12 Lessingstrasse, quatrième étage. Faites vite. Philipp Meinhardt a été assassiné. Au 12 Lessingstrasse. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Lequel d'entre vous a appelé police secours? On va avoir des ennuis à cause de ça. Il faut leur dire, mais sois prudent.
C'était moi. Venez dans mon bureau. Et mes camarades? Ils sont en sécurité chez mes deux collègues, soyez sans crainte. Et venez. Anna, montrez-leur la photo. Vous voulez boire quelque chose? Je vous en prie, asseyez-vous. Je préfère être debout. Comme vous voudrez. Racontez-moi un peu cette histoire de coup de fil. Nous jouions dans la station de métro. Personne passe et donne argent. Et une femme arrive en courant. Très, comment dire... Énervée? Oui. Elle a écrit le nom et la rue et le numéro de téléphone en disant « Appelez ce numéro ». Et puis elle a donné argent et puis elle a couru vers l'escalier roulant. C'était cette femme? Pourquoi cette femme-là? Il y a des raisons de le penser. Ce n'était pas elle, absolument pas. Absolument pas. Très intéressant. À quoi ressemblait-elle? Ce n'est pas elle. Ils n'ont jamais vu venir, soi-disant. Mais vous pourriez nous dire comment était cette femme? Tout à fait. Savez-vous ce qu'est un portrait robot? Ça existe aussi en Russie. Parfait. Je propose que nous établissions ensemble le portrait de cette femme. Venez. Pourquoi portrait robot? Femme est ici. Quoi? Que voulez-vous dire? Ici, c'est le bureau. Regardez. C'est elle qui a dit, s'il vous plaît, appelez. Cette femme? Jeune et belle. Et très... énervée? Oui, venez. Les choses de cette façon. Tu veux savoir ce qu'il m'a raconté? Je vais te le dire. Garde-le pour toi. Ouli, tu joues les passionnés, les amantes fougueuses, alors que tu n'avais pas envie de faire l'amour, parce que t'es aussi froide qu'un glaçon. Je sais, ma fille. Je n'étais pas faite pour lui. Mais malgré tout, je l'ai aimé. Il m'a encore raconté autre chose. Arrête. Il m'a raconté que juste après ma naissance, tu as commencé... Oui, je vous ouvre. Je présume que ça vous est interdit. À votre santé. Merci. Que se passe-t-il? C'est un dénommé Vladimir Sorin qui nous a signalé la mort de votre père hier. C'est un jeune musicien. Lui et son groupe jouent régulièrement à la station de métro de Rosenheimer Platz. Le Vladimir en question a signalé la mort de votre père à la police d'une cabine téléphonique de la station de métro de Rosenheimer Platz sur votre demande. Vous avez quelque chose à ajouter? Je ne comprends pas. Je ne connais aucun Vladimir Sorin, pas plus qu'un groupe de musiciens russes. J'ai appris le décès de mon père par l'un de vos policiers qui est venu me l'annoncer alors que je terminais mon jogging. Mais où étiez-vous le jour de la mort de votre père entre 14h et 15h? J'avais un tas de rendez-vous. Citez-nous-en un. Monsieur Werner a téléphoné, il me semble. Ça avait l'air urgent. Exact. Il voulait me rencontrer. Et alors, vous l'avez vu? Oui, au Cosima Park, alors qu'il sortait de chez mon père après lui avoir apporté le livre. Il était très inquiet, il avait peur que ça ne lui plaise pas. Mais je pense que c'était un prétexte pour me voir. Et vous avez vraiment cru à cette histoire de Russe? Eh oui, pourquoi pas? Maintenant, vous savez où elle était? Ça, c'est l'histoire qui nous le dira. Oui. Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Oui, ici Lorenz. Jacob, occupe-toi donc de M. Werner et tâche de te renseigner pour savoir où il est allé après avoir rendu visite à Philipp Meinhardt. Vous en avez d'autres comme ça? Bah, Johann, à plus tard. Plus tard. En fait, le père était une véritable idole pour elle. Si elle s'était vraiment trouvée dans l'appartement à ce moment-là, elle ne serait jamais partie en le laissant dans cet état. Elle aurait alerté tout l'immeuble par ses cris. À condition qu'elle ne soit pas l'assassin. Quoi, vous avez des doutes? Rien n'est impossible. De midi. Passons par derrière. Police criminelle, ouvrez la porte, s'il vous plaît. Encore vous? Est-ce qu'on peut entrer? Ce n'est pas possible. Vous avez de la visite? Oui. Laisse-les entrer. Qu'est-ce que vous attendez? Entrez. Vous êtes étonné de me voir ici? Ah oui. Pour une surprise, c'en est une. Yvonne et moi, nous, tous les deux... Ils ne sont pas aveugles. Oui. Et Philipp Meinhardt, l'homme à qui vous avez donné votre numéro de téléphone? Oui, le 90-98-72 avec votre nom. Moi, expliquez. Volontiers. Oui, faites donc. Nous étions dans la station de métro, nous jouer musique. Un homme arrivait et nous écoute. Quand nous avons terminé, il dit bravo. Ensuite, lui demandait, nous, accepter de jouer, s'y donner une fête. C'était cet homme? C'est lui, en effet. Bien sûr, nous répondre, oui. Lui demander où nous trouver. Nous lui donner téléphone et le nom de Vonny. Elle sait toujours où nous sommes. Il a inscrit, donné l'argent et parti. Malheureusement, plus entendu parler de lui. Il a été assassiné. Dommage. Gentil monsieur. Et la jeune fille que vous avez reconnue sur la couverture du livre, c'est sa fille. Vous pouvez confirmer que c'était la femme qui vous a demandé d'appeler la police? Pourquoi, moi, mentir? C'était elle. Bien, ce sera tout pour nous. Au revoir. Et si vous parlez à mon mari, il croit que j'ai eu une aventure avec l'autre, celui qui est mort. Nous n'avons plus besoin de votre mari. Mais si vous avez besoin de musique pour la fête de la police, alors nous saurons où vous trouver. Juste une dernière question. Je pourrais savoir où vous êtes rencontrés? Nous avons joué musique rue Piétonne. Vonny est passé, m'a regardé. Cœur est parti. Ouais, vous voyez, ça vaut le coup d'être artiste. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Quoi de neuf? Qu'est-ce qui arrive? Il est en route avec Vigant. Envoyez-le tout de suite dans son bureau. Oui. Bon appétit. Ah ben tiens, c'est réglé. Merci. Quoi de neuf? Vous avez de la visite. Et une visite spontanée. C'est ce qu'ils devraient tous faire. Ah, monsieur Werner, tiens. Merci. Non, non, restez assis. Madame Meinhardt m'a téléphoné. Oui, c'est ce que je pensais. Vous voulez savoir où se trouvait Jeannette au moment du meurtre? Vous étiez avec elle à Cosima Park? Oui, c'est ce que je voulais confirmer. J'imagine que c'est important pour vous. Oui, bien sûr. Et ensuite, je voulais m'excuser pour l'autre matin. Je n'ai pas été très accueillant lorsque vous êtes venu me voir. Ah, vous aviez mal à la tête? Oui. Je souffre de névralgie faciale, c'est très douloureux. J'en suis désolé. Oui, oui. Voilà, c'était tout. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
trouverons rien. Nous avons tout retourné dans tous les sens. On finira peut-être par trouver une idée. Moi, c'est la nuit que je fourmille d'idées. Le lendemain matin, j'ai tout oublié. Qui est-ce qui ment? Vladimir, le musicien? Ou Monsieur Werner, le marxiste? Monsieur Werner? S'il agit comme ça, c'est pour se faire bien voir de Jeannette. Et Vladimir? Il s'occupe de Vony, il est hors jeu. Si la fille était là, pourquoi n'avoue-t-elle pas? Elle a probablement assisté au meurtre de son père. Et elle couvre le meurtrier. C'est une fille étrange que je n'arrive pas à cerner. Eh ben, comme vous pouvez le constater, ils perdent pas de temps. De toute façon, on le fera sauter, leur PV. Combien ils peuvent encaisser en une heure? Le stationnement est interdit dans la moitié de la rue, un bon petit magot. Je viens de me souvenir de quelque chose, c'est qu'il ne faut jamais rien négliger. Allô, ici Siska, vous êtes dans les meilleurs termes avec le service de la circulation, si je ne m'abuse? Absolument pas. Eh bien, c'est le moment ou jamais, Anne. Je me suis écorché les doigts à force de téléphoner. Mais franchement, je ne le regrette pas. Trois procès-verbaux pour stationnement interdit dans la Lessingstrasse. Établi les six dernières semaines, propriétaire de la voiture, Jeannette Meinhardt. Alors, qu'en dites-vous? J'en dis que ce n'est pas tout. Voilà ce qui sort de l'ordinateur. Un procès-verbal pour stationnement dans l'allée réservée aux pompiers. Le véhicule a été embarqué par la fourrière le 18-10, à 14h20, l'heure à laquelle Meinhardt a été assassiné. Anna, je vous paye un coup. Ah oui, quoi ça? Plus tard. Bien sûr, cause toujours. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie, entrez. Je vous remercie. Je vais vous annoncer tout de suite. Oui, merci beaucoup. Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous êtes très élégant. Merci. Un cadeau de votre père? Je suis capable de me l'offrir. Cette demande d'enlèvement date de 2 ou 3 jours. Nous l'avons trouvée dans votre boîte aux lettres. Avez-vous récupéré votre voiture? Hier après-midi. L'entrée devant laquelle stationnait votre voiture se trouve juste derrière l'immeuble de votre père. J'étais pressée. À vrai dire, je n'ai pas fait attention. Votre père était-il encore en ville lorsque vous êtes arrivé chez lui? Oui. C'est lui qui vous a ouvert la porte? Pas du tout, j'ai une clé. Bien, alors que s'est-il passé? Racontez. Je lui ai demandé s'il voulait faire du jogging avec moi, comme il le faisait souvent, mais il n'en avait pas envie. Parce qu'il avait de la visite? Je ne sais pas. Alors, je suis partie toute seule. Et lorsque vous êtes revenue de votre jogging, votre voiture avait été embarquée? Je suis remontée chez lui. J'étais trempée de sueur. Je lui ai demandé si je pouvais me doucher. Et alors? Pendant que vous étiez sous la douche? J'ai entendu sa voix. Il semblait hors de lui. Il criait très fort. J'ai couru dans le couloir et puis j'ai entendu les coups de feu. Avez-vous vu qui a tiré? Et ensuite, vous avez quitté l'appartement sans vous préoccuper de votre père. Et vous n'avez même pas prévenu la police? Et vous êtes reparti faire du jogging? Avouez que c'est plutôt bizarre. J'étais tellement bouleversée. Je vais vous dire comment nous voyons les choses. Vous arrivez chez votre père, vous constatez une présence féminine, le ton monte très vite, et vous saviez où se trouvait l'arme. L'arme se trouvait ici, dans la maison. Avec des munitions. Je suis allée à l'appartement, et j'ai exigé une explication, mais... il m'a mise à la porte. Alors j'ai tiré. Tout simplement.
Il y a une expression qui dit « la coupe est pleine ». Eh bien, c'était le cas. Est-ce que vous permettez que j'aille préparer quelques affaires? Je vous accompagne. Des réfléchis ne laissent donc pas la coupe déborder. J'avoue que cette histoire me dépasse. Elle redoutait une union catastrophique, mais elle a fini par s'y habituer et s'en accommoder comme pour toutes les autres. Puis un jour, elle a tiré. Je crois que toute cette affaire cache autre chose. Je ne sais pas, moi, quelque chose ayant à voir avec la relation mère-père-fille. Enfin, peut-être. J'étais à l'heure. Oui, je suis vraiment désolé. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. Bonjour. Bonjour. Alors, quoi de neuf? Si on marchait un peu? Si vous voulez. En écrivant cette chronique familiale, j'imagine que vous êtes devenu intime avec tous les membres de cette famille. Oui, on peut le dire. Philippe Meinhardt n'est pas devenu votre ami après tout ça? Il n'avait pas besoin d'amis, il se contentait d'avoir du pouvoir sur son entourage. Et son épouse? Elle a toujours rêvé de jouer un rôle important aux côtés de son mari, mais sans succès. C'est une femme totalement aigrie et frustrée. Et la fille? Jeannette? Oui. J'aurais bien donné un an de ma vie pour coucher avec elle. Mais elle ne voulait pas. Personne ne peut l'approcher. Elle est complètement sur la défensive. Avez-vous une explication à cela? Regardez bien son visage. Derrière cette jolie façade se cache une petite fille épouvantée. J'ai mis un certain temps à le comprendre. Alors j'ai essayé de la faire sortir de sa réserve. Je l'ai suivie, je l'ai observée. Je voulais avoir quelque chose d'elle. Oui. Et un jour, j'ai trouvé la clé. De l'appartement de son père? Enfin, j'ai dû commettre une grosse bêtise en expliquant à la mère que je la surveillais. Bonjour, je vous en prie, asseyez-vous. Vous avez parlé à votre avocat? Oui. Et il vous a conseillé de tout dire, n'est-ce pas? Bien. Pourquoi votre fille vous déteste-t-elle? Parce que je n'ai jamais voulu quitter son père. Et que je suis restée avec lui malgré tout. Elle le voulait pour elle toute seule. Et ça a toujours été comme ça. Il formait un couple. Leur
Lorsqu'elle a eu 4 ans, tout a changé. Ils s'étaient devenus inséparables. Ils flirtaient ensemble. Ils s'étreignaient, s'embrassaient. Ils ne se cachaient même pas. Je ne pouvais pas m'interposer. J'étais complètement impuissante. Complètement rejetée. Lorsqu'elle a eu 18 ans, il a décidé de la prendre tout simplement comme maîtresse. Je ne voulais pas le croire. Je me disais, non, pas ça. Jeannette, elle disait qu'il ne pouvait exister un plus grand amour, ni un homme plus gentil. Il n'y avait que lui. Je ne pouvais tout de même pas accepter ça. Après tout, c'était mon mari. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. On lui veut au juste. Cette affaire est terminée. Je me fais du souci. Bonjour. Bonjour. Jeannette est là. Elle vient juste de partir. Savez-vous? Elle est partie en emportant les clés de l'appartement de son père. Bien, merci. Au revoir. Au revoir. Reculez, s'il vous plaît, police. Je vous en prie, circulez, il n'y a plus rien à voir.